Bonsoir à tous. J'en ai très très heureux. Je m'appelle Bruno Dorisseau, je suis critique de cinéma aux Un Rock. Je tiens d'abord à saluer le courage de Diafana de sortir un film aussi important, aussi beau dans le contexte qui est le nôtre. Je vais vous demander d'accueillir chaleureusement François Ozon, Benjamin Voisin, Félix Lefebvre et Philippe Bell. Amusant de rentrer dans le film, c'est en partant de sa bande-son, on va aller très rapidement et croiser The Cure, et on y entend aussi à un moment donné le tube de Jeanne Masse dans le fond, dans une scène de fête foraine. Et c'est un titre qui va vraiment très très bien au film, puisque c'est vraiment un film de première fois, qui raconte une première histoire d'amour, beaucoup de ces acteurs y effectuent leur premier pas, et c'est votre 19e film, mais c'est aussi votre premier film, celui que vous n'avez jamais réalisé. Est-ce que vous pouvez un petit peu, pour commencer, nous raconter sa genèse et pourquoi vous le faites aujourd'hui? Alors en fait, j'ai lu le livre que j'ai adapté en 1985, un livre d'Edward Chambers, un livre anglais, qui était traduit à l'époque par le titre La danse du coucou. Et j'ai beaucoup aimé ce livre et j'ai eu envie de... j'étais pas encore cinéaste, j'étais lycéen, donc j'ai rêvé ce film un peu comme un... un futur cinéaste, mais je ne l'ai pas fait. Je faisais des films super vite, mais être au cinéaste, ça paraissait quelque chose encore d'assez lointain. Donc j'ai espéré que ce film soit fait par un autre réalisateur. J'ai espéré en être le spectateur. Et je m'attendais à ce qu'un réalisateur américain s'empare, ou un réalisateur anglais s'empare de cette histoire, et ça n'a jamais eu lieu. Quand j'ai rencontré Aidan Chambers, l'auteur du livre, je lui ai posé la question. Il m'a dit que trois cinéastes avaient essayé pendant toutes ces années de l'adapter, un danois, un italien, un français, et puis ça s'est jamais fait. Donc voilà, 35 ans après la sortie, grâce à Dieu, je suis retombé sur ce livre que j'ai relu et que j'ai toujours beaucoup aimé. Je me suis dit, voilà, c'était le temps de enfin oser l'adapter. Est-ce qu'au moment où vous avez lu le livre, quand vous aviez 17 ans, vous perceviez la portée politique aussi du film, puisque c'est un livre qui est considéré comme le premier livre à des grands publics, à destination d'un jeune public qui ne condamne pas du tout une histoire homosexuelle? Est-ce que ce désir de mettre en scène ce film, il était aussi à cet endroit-là? Oui, enfin, ce livre à l'époque, c'était assez bouleversant, parce que toutes les représentations de l'homosexualité qu'on avait autour de nous étaient extrêmement... négative, enfin, des souvent liées à la culpabilité, à la transgression. Alors, il y a plein de très beaux films hein, à l'époque qu'on voyait, mais moi je me souviens, voilà, j'étais allé voir L'homme blessé, Cruising de William Friedkin, je ne sais plus quel autre film, enfin, tout l'été, c'était des films quand même toujours très noirs, et lire ce livre, c'était une vraie bouffée d'air. Et c'était assez surprenant, effectivement, de voir un livre à cette époque. Le coming out, cette expression n'existait pas vraiment, je crois. Donc il y avait quelque chose de très, très simple, très universel dans cette histoire qui m'avait touché. Et donc, effectivement, l'homosexualité n'est à aucun moment questionnée. C'est quelque chose qui a l'air d'être très naturel dans le film. Par contre, le film a des côtés sombres aussi. Et dans votre filmographie, on a l'impression que ce qui vous plaît plus que tout, c'est les exercices de style, s'emparer, de se dire que voilà, je vais faire un thriller à l'américaine, par exemple, pour Grâce à Dieu. Et ici, c'est une sorte de teen movie dont vous auriez complètement frelaté l'hédonisme pour en faire une réflexion sur le deuil. Comment est-ce que vous expliquez cet attrait-là, voilà, pour rentrer dans un genre et le visiter, l'interpréter à votre manière? Je sais pas trop. Quand une histoire me touche, c'est d'abord très instinctif, c'est quelque chose de, voilà, qui m'émeut, que j'ai envie de raconter, quelque chose qui m'obsède. Donc à partir du moment où il faut passer à la réalisation, à la narration, j'essaie de trouver la forme adéquate à cette histoire. Donc là, c'est amusant, c'est qu'en relisant le livre, je me suis rendu compte que la forme du livre était assez particulière. Le livre était construit en puzzle. J'avais complètement oublié ça. Moi, j'avais gardé une histoire assez linéaire. En fait, c'est pas du tout le cas.
Et j'ai beaucoup aimé cette forme du livre. Et je pense que si je ne l'avais pas fait aussi bien plus tôt, c'est parce que je ne me sentais pas à l'aise avec cette forme éclatée. Et vous allez voir, toute l'histoire est racontée à travers les yeux d'Alex, qui est joué par, par Félix. Et c'est quelqu'un qui a du mal à formuler, à énoncer ce qu'il a vécu, et donc il a raconté petit à petit sous forme de. Comme des pièces d'un puzzle, voilà, et on a une vision d'ensemble à la fin du film de cette histoire. Et c'est cette forme, alors oui, il y a un côté teen movie parce que ça parle d'adolescents, mais j'essaye pas à tout prix de m'emparer d'un genre pour le. Je ne suis pas assez avec le encore. C'est aussi un grand film sur la réparation. Sur le deuil d'une histoire d'amour. Sur une forme de résilience. Oui, ça c'est aussi quelque chose que je trouve assez belle. C'est que, voilà, ils vivent un été dramatique en même temps très beau et il y a quelque chose de très, très optimiste malgré tout, malgré la souffrance qu'il y a dans cette histoire. Et c'est aussi un film extrêmement nostalgique, été 85 et non 84, puisque on a accepté de vous céder les droits seulement si vous l'appeliez été 85. Vous pouvez un petit peu raconter cette histoire juste avant de répondre. En fait, oui, le film s'appelait été 84, et puis je l'ai déjà raconté, mais au moment d'acheter le morceau de Des Cures de Between Days, Des Cures, à travers la voix de Robert Smith, a refusé qu'on utilise le morceau parce que le morceau. Daté de 85. Et donc, ça prouve qu'il est intéressé par l'argent. Et donc, du coup, je lui ai écrit une lettre, je lui ai dit, voilà, j'étais prêt à changer mon titre pour avoir ce morceau, parce que j'étais fan des Cures à l'époque. Et il a accepté, et du coup, on a profité pour renégocier le prix, ça nous a coûté moins cher. En tout cas, on était très contents. Et comme je disais, c'est un film nostalgique qui raconte aussi un moment d'histoire, une atmosphère des années 80. Je ne sais pas s'il est nostalgique, je pense que le fait de voir après ce qu'on a tous vécu pendant le confinement, après le Covid, donne une impression de paradis perdu. Voilà, on fait dans le film des choses qu'on n'a plus forcément le droit de faire aujourd'hui. Donc c'est peut-être aussi ce moment qui donne cette impression, cette patine. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années 80? On va pas passer 3 heures, mais sur les rapports de drague, les rapports de séduction. Peut-être que les acteurs peuvent répondre, parce que c'est justement intéressant pour vous de jouer des jeunes des années 80. Je pense notamment l'arrivée des applications, les réseaux sociaux, juste la sociabilité en fait des jeunes a complètement changé. Et comment est-ce que vous êtes projeté dans cet état de la jeunesse-là que vous n'avez pas du tout connu? Alors, je crois que moi, quand j'ai vu le film la première fois, ce qui m'a épaté, c'est que ces jeunes-là, ils doivent se voir vraiment. C'est-à-dire qu'un SMS, un coup de fil ne suffit pas. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on sent que David et Alex, s'ils ont cette alchimie, s'ils ont cet amour et cet affrontement dans le film, c'est parce qu'ils doivent se voir physiquement, c'est parce que les téléphones n'existaient pas. Donc ce manque de technologie, il se fait ressentir à travers le film, et je trouve ça très agréable. Moi, c'est le seul truc qui me plaît dans les années 80. Après, les couleurs, les fringues, la coiffure, je suis pas fan forcément. Je dirais aussi qu'on a été dans les années 80 de François Ozon, donc c'est un peu différent, je pense, de la réalité. C'est plus... Vous allez voir, c'est... Et nous les années 80, on les idéalise un petit peu parce que le temps, je pense, garde ce qu'il y a de mieux. Et donc forcément, nous, on a une image des années 80 qui est assez solaire, assez estivale. Mais comme dit souvent François, je pense que c'était aussi une période où il y avait l'arrivée du sida, d'autres problèmes qui arrivaient. Mais vous allez voir le film, je pense que c'est dans un propos très contemporain et qu'on n'a pas de retour en arrière sur aucun point de vue. Donc nous, ça a été un plaisir de faire ce film, en tout cas. Moi, je trouve que, de mon point de vue, je trouve que les jeunes des années 80, ils ont une naïveté qu'on a peut-être perdue aujourd'hui. Et en tout cas, du point de vue de Kate, elle est là pour faire une expérience romantique en France parce qu'elle est anglaise. Et c'est vraiment une naïveté que je pense que les réseaux sociaux ne nous donnent pas aujourd'hui. Et ouais, c'était assez sympa de jouer avec ça. On va vous laisser remonter le temps alors, pour que c'est tous une belle projection. Bonne soirée.